Ah non, mais c'est trop moche. Ah non, mais c'est trop moche. On dirait des franges de balai à chiottes. Ah! Elle veut ce sac trop laid! Ça commence trop mal. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Pixel Pixel sur Fabulous Angela's Fashion Fever. Alors on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc nous sommes à Tokyo, on a déjà... C'est ma robe, regardez, vous avez vu, j'ai choisi cette robe. Et on a déjà des rivalités avec certaines participantes, dont cette nana là, méchante, et cette nana méchante. Ah, le téléphone qui sonne, vite, 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 vite. Et on a rencontré un gars, qui était genre mannequin, et qui a l'air d'avoir plus ou moins flashé sur nous, donc on va voir ce que ça donne. Mince, c'est Virginia, j'ai oublié de l'appeler pour son anniversaire. Ah, c'est sa meilleure amie, peut-être. Allons, mademoiselle, le temps est presque écoulé. Bon, bah je la rappellerai ce soir. Oulalalalala. Drink, drink, mais qu'est-ce qui se passe? Le moment est vraiment très mal choisi. S'agit-il d'Eric avec de la chance? non, c'est Jimmy, mon ex-mari. Quoi? Jimmy, c'est ça, l'ancien mari entre dans la danse. Non, pas du tout, en fait, j'ai... T'inquiète, j'en ai rien à faire de ce mari. Est-ce que je prendrais pas... Non, mais en fait, non. Bah voilà. Je suis riche, je vais économiser pour les prochains. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, juste un nouveau produit. Alors franchement, non, ce sac est immonde. On dirait du poil de quelque chose que je n'ai pas envie de nommer. Bon, on va vite passer ce niveau parce que ça m'a l'air assez facile. Hein. Eh ben voilà, c'est la fin de la journée. Donc j'ai décidé qu'on allait passer vite parce que du coup, on va essayer d'avancer vite dans l'histoire parce que c'est quand même très très long, cette histoire. Allez, vas-y, tu nettoies et ensuite tu les encaisses et c'est tout bon. Parce que là, on est que dans le deuxième monde et il y en a 6. En gros, il y a 90 niveaux, donc on va essayer... Ça, c'est ma petite robe, hein. Et on va essayer d'aller assez vite, donc je disais... parce que sinon, j'en ai pour des semaines et des semaines et des semaines. Ah, bah elle aussi non plus, je l'aime pas. C'est une petite fouine. Et elle, bon, bah elle est transparente, parce que bon, c'est la japonaise dont personne n'entend parler. Comment tu t'en sors? Je suis fatigué, je n'ai pas pu dire au revoir à Viola. Ah, mais c'est encore Virginia. Je vais... Oulala, oulala. Angela, dépêche-toi, on t'attend. Oh. Ah. Tristesse. Ah, j'ai pas regardé les robes des concurrentes. Alors, Angela a commencé à goûter à la célébrité, son fan club est arrivé pour demander un autographe. Ah, voyons voir. Oh, n'importe quoi. C'est trop... On dirait qu'il scande le nom de Trulli. En fait, il scande le nom d'Angela. Et la grosse jalouse. Du calme, soyez patient, j'arrive. Tu peux me tenir ça, Victoria. Merci. Et voilà, le fan club. Drut. Angela, c'est encore Virginia. Oh mon dieu, elle va délaisser ses amis. Ses amis vont être tellement déçus par elle. Et oui, c'est ça. La célébrité lui monte à la tête. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je signe des autographes. Alors, attendez, déjà, on va faire une robe de chaque en attendant. C'est pas joli, franchement, c'est pas joli, les filles. Hein. Alors, voyons voir. Hop, hop, je lui donne ça. On va essayer de voir quand même le premier fan qui arrive pour voir ce que ça... Ah! D'accord, j'ai compris. C'est n'importe quoi. Ok, d'accord. Bon, on va passer vite et puis à la fin. Ok, ça, c'est un peu complexifié, là, sur la fin. Voilà. Donc on va donner ça et ce petit bracelet à la petite dame. On va nettoyer quand même les deux d'abord. Et avant de les encaisser, comme ça j'ai le bonus. Voilà. Et ensuite on fait ça et ça. On va voir si elle a le temps de... avant la fin, non? Vas-y, cours. Ouais. Ouh là, même le temps de faire deux robes, le temps que tout se termine. N'importe quoi. Voilà, et les gens là-bas sont très pressés. Il n'y a jamais d'hommes qui passent. Hein. Au Japon, il n'y a que des femmes, si vous ne le saviez pas. Mais c'était dingue, je n'avais encore jamais signé d'autographe. Oui, tu as reçu un SMS de ta sœur. Ah, Emily. Et de plein d'autres personnes. Virginia demande si Miss Glamour a encore du temps pour ses amis. Oh. Je dois les rappeler, mais je suis mort de fatigue et le défilé dans quelques heures. Mais vas-y, ça prend 5 minutes. Juste 5 minutes, juste une minute, Angela. Juste dire voilà, je pense à toi, mais j'ai plein de choses à faire et tout. Voilà, on a toujours même... 20 secondes pour écrire à quelqu'un et lui dire je pense à toi. Ah, il est temps de mettre la touche finale à ma robe Saturne avec des anneaux et tout. Non, vous, je vous aime pas. Allez, au revoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Objectif, terminer la robe. Ah, mais regardez, j'avais fait ça.
Ah, regardez, on va la terminer, elle sera trop belle. Ah bah mince alors, elle veut déjà son bracelet et elle son petit maillot de bain futuriste, c'est moche. Alors on va voir à quoi ça va ressembler. Ah. On fait ça et on encaisse les deux. Et un, voilà. Ah zut, faut déjà que je l'encaisse elle. Oh là là, j'ai pas le temps. Bon, on va passer à la fin. Attendez. Non, attendez. On va essayer de faire un truc trop cool. On va essayer de faire ça, ça. Allez, oh non, elle s'est impatientée, elle. Mais vous vous rendez compte, c'est trop difficile. Encore un petit coup. Et alors, attendez. Ah, j'ai plus ça. Ça. Je l'encaisse, je vais nettoyer et je vais faire la robe. Non, mais j'ai plus le temps. Bon, on passe tout de suite à la fin de la journée, hein. On va essayer de refaire un petit rechargement de robe pour le niveau suivant. Et allez, ensuite, elle veut ça et elle veut ça. En fait, c'est pas si moche que ça, une fois qu'on lui a donné comme ça. Parce que là, franchement, on dirait du papier toilette, en fait. Donc je nettoie quand même avant d'encaisser. Et comme ça j'ai le bonus magasin propre. Ah, j'ai pas fini la robe, c'est pas possible. Mon dieu, vite fini là. J'avais pas vu. J'ai failli le faire, le fail. Ouh là là. Oh, n'importe quoi. Mais moi franchement, j'étais persuadé d'avoir fini, genre 99%. Oh, comme elle est trop belle cette robe. Voilà. Et tout ça fait parapluie du corps. Voyons. En fait, j'avais pas regardé ça l'autre fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Le passeport, le dé à coudre, d'accord. Allez, on va finir le Japon. Il n'y a rien à faire, à part passer le niveau. Ah, le mystère s'épaissit. Ah bon? Mais ça, c'était le nom que j'avais mis à Life is Strange la dernière fois. Hey, Angela, qu'est-ce que ça fait de travailler dans une boutique discount? Et pourquoi? Tu cherches du travail? Oh, bien envoyé. Parfait. Tiens, bonjour. Eric! Angela, tu peux prendre une pause? J'avoue que ça me ferait le plus grand bien. Oh, les coquins! Tu es obligé de répondre? Ça peut sûrement attendre. Oh. Et elles sont trop jalouses. Bon, et eh ben, on va passer ce niveau super vite. Et on va faire une robe de chaque pour préparer. Et ensuite deux lunettes. Comme ça, on prépare. Et la journée est parfaite. Voilà, vous avez vu, j'ai bien fait. Allez, à tout de suite. Ah voilà, bah c'est la fin. C'est très bien, bon, c'est du classique, hein, vous savez. Voilà, regardez ma robe. Elle est trop jolie. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va sortir avec Eric le mannequin ou pas? C'est quand même un peu rapide. Je dirais, elle le connaît à peine. Et puis de toute façon, il habite Tokyo, il habite où en fait? On sait même pas où il habite lui. Voilà. Oh là là, ce score de ouf. Ah, oh, j'ai eu succès déverrouillé voyage à Tokyo avec un joli bracelet tout moche. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, nous annoncerons le vainqueur de cette manche. Bob! Ah oui, attendez, alors regardez les robes. Bon, celle-là, c'est du classique. Celle-là, on dirait un cabinet de toilette, donc c'est nul. Celle-là, on dirait une sorte de poire au chocolat, c'est pas trop mal. Bon, ma robe, c'est la plus belle. Bon, non, ça, c'est trop moche. Écoute, ça se fait plus depuis 200 ans. Et ça, bon, ben voilà, c'est du classique. Non, non, c'est moi le plus original. Pas maintenant, Laurie. Bon, est-ce que ça va être Yuna? Ou Cécile, Céline, Bruna, Victoria? Ou encore deux? Angela, sors avec Eric, le petit ami de Trolley! Quoi? Mais c'est faux! Attends, Eric n'est pas le petit ami de Trouli, n'est-ce pas? Oh, le mystère s'épaissit! Ah, mon dieu, j'hallucine. Oh, c'est joli ça. C'est pas possible, je capte nulle part ici. Bien sûr, ma chérie, tout ce que tu voudras. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, Trouli, je te le promets, d'accord? Oh. Oh mon dieu, il est vraiment en couple avec Trouli? Mais c'est pas impossible, Trouli n'est même pas en ville! À moins que. Effectivement, il y a quelque chose qui se. Qu'est-ce que. Quoi? Voilà. Ouh! Excusez-moi, j'ai bugué, hein, comme souvent je fais. Comme. Je parle. Oh, j'en peux plus. Voilà. Bon, bah, bienvenue à Rio de Janeiro, on va faire quelques niveaux. Allez, c'est parti. J'ai gagné quoi? Un bracelet? Ah ouais! Très bien. Allez, c'est parti pour Rio! Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mannequin Eric va nous suivre? Oh! C'est joli quand même, ils ont fait un sacré effort de graphisme et tout. C'est vraiment super. Oh, regardez là, genre, toutes les stars et tout. Salut! Angela, attends! Tintin, c'est vrai que tu sors avec Eric? Eh ben, non. Enfin, oui, je ne sais pas. Enfin, ne t'inquiète pas, on faisait que s'amuser. C'est ce que j'espère pour ton bien. Arrête de te faire de la bile.
Elle est gentille, elle, je l'aime bien. C'est ma meilleure amie. Enfin, ça va devenir une de mes meilleures amies, pardon. Bienvenue à Rio. Mesdemoiselles, bienvenue à Rio de Janeiro. Je me demande si en fait elle a pas une tumeur au cerveau, un truc du genre pour être autant gaffeuse. En même temps, moi je suis gaffeur aussi, j'ai pas de tumeur au cerveau. Enfin, je crois pas. Profitons-en pour faire grimper un peu la température. Vous flirtez avec Monsieur Parfait depuis plusieurs jours, et ce soir vous avez votre premier rendez-vous. Créez une tenue qui attirera tous les regards sur vous, et vous uniquement. j'ai l'impression que c'est à moi qu'elle parle. Une dernière chose. Un nouveau jury va intégrer... quoi j'ai... Ah. Salut. Oh non. Dites bonjour à Eric. Clin d'œil. Yeah. Genre le choc et tout là. Mais Eric, nous ne devons plus nous voir, sinon je risque d'être éjecté du concours. Pas si on reste discret. Oh non mais là, il va se passer un truc. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Je vais acheter une cabine supplémentaire parce que je suis riche. Je vais acheter ça pour faire mes robes plus rapides parce que je suis riche. Et ensuite, toi, je t'en fous. Et toi, je m'en fous. Voilà. Allez, on va tester. Ah non, mais c'est trop moche. Ah non, mais c'est trop moche. On dirait des franges de balai à chiottes. Ah! Elle veut ce sac trop laid! Ça commence trop mal. Ah, la robe est pas mal, par contre. Bah, au revoir. Ah non, c'est comme ça. C'est quoi, ça? Ah, c'est pour faire des... Ah, ça, c'est pour faire des plans de robes. Alors, toi, tu veux... Une robe et des boucles d'oreilles en forme de cœur de l'océan, de Titanic. Et ensuite tu vas fabriquer... C'est bon, j'ai compris. D'accord. Ah, regardez, c'est pas mal fait, ouais. Allez, on va nettoyer ça. Mais franchement, t'aurais pu reprendre tes vêtements. Hein. Alors, on fait ça, ça, ça. Bon, bah, c'est du classique, mais c'est joli, là, les décors, quand même. Mais j'ai loupé la souris, non? Ah, bah oui. Alors bonjour. Excusez-moi, je m'attendais pas à ça en fait. Voilà, on nettoie d'abord et on les encaisse. Bah j'ai pas entendu la souris donc ça m'étonne parce que normalement on entend clic clic clic. Du coup je vais pas finir le... Ah si c'est bon quand même, je nettoie les étoiles. Alors voyons voir. Oh. Époustouflant, merci. Je ne parle pas de ta robe. Oh. Ah non, celle-là, je peux plus. Tu vas avoir du mal à garder tes distances avec Eric, surtout qui fait partie du jury maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Trulli apprend que tu vois Eric en douce, eh bien quoi? Est-ce que vous sortez ensemble? Je ne vois pas de quoi tu parles. On verra bien. C'est pas possible, hein. De vraies pestes, hein. Oh, elle est vexée, mais bon, il faudrait qu'elle arrête, hein, c'est vrai. Au moins, attendre la fin du concours pour ça. Allez, on va aller jusqu'à l'étoile et ensuite, on va s'arrêter parce que c'est quand même un peu long, tout ça. Ah, Trulli en piste. Tan, 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 tan. Mais occupe-toi... En fait, juste occupe-toi de ta vie. Du coup, ils sont déjà en train de s'engueuler. Mets-toi de tes affaires. Oh, comme tu veux, bonne chance. Attends, qu'est-ce que tu entends par choix intéressant? C'est un peu insipide, tu ne trouves pas? Non, pas du tout. Donc, je suppose que tu n'es pas intéressé par les empiècements dorés qu'il me reste. Des empiècements dorés? Qu'est-ce que ça cache? Et pourquoi est-ce que tu me les donnerais? J'en aurais pas l'utilité. En plus, on doit serrer les coudes pour éliminer Angela. Elle a déjà un juge dans sa poche, qui sait de quoi elle sera capable ensuite. Oh, mais quelle manipulatrice celle-là. Ah, des fleurs. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Ah, ah, c'est pour faire des fleurs. D'accord. Très bien. Alors on va faire une robe de plus en attendant. Où est-ce qu'on récupère les fleurs? Ah, c'est par là, je pense. Attendez, regardez. Je donne ça. Ah oui, elle est là, elle est là. Voilà, ça pousse, ça pousse. Oh, silence, ça pousse. Magnifique. C'est un peu bizarre. Il faudrait que je l'encaisse, en fait. Elle est pas contente. Fancy. Fancy. Oh oh. Excusez-moi, surpris en flagrant délit de chanson. Ta ça donne envie de danser en fait. Et je t'encaisse et je finis là. Voilà. Excusez-moi. Pam pam pam. Cette musique est plus entraînante que celle de Tokyo.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça dirait d'aller faire un peu de tourisme après, j'ai besoin de me changer les idées. Il faut que tu ailles à la plage, c'est super romantique. Enfin, si tu as quelqu'un pour t'accompagner, évidemment. On peut y aller entre copines, tu sais, je suis pas obligé d'avoir. Votre attention, Trulli vient d'arriver. Quoi? Oh, c'est intéressant. Oh, des emplacements de rue, c'est un pari risqué. Comment tu as eu cette idée? Je me suis senti inspiré par Rio, ma ville natale, et ses habitants aux tenues très colorées, et aussi par les chars de carnaval multicolores. C'est Laurie qui lui l'a donné. Où est-elle? Oh, eh bien, vous avez entendu ça, vous autres? L'amitié peut l'emporter sur l'esprit de compétition. Mais quelle pèse cette française, ça suffit là. Franchement, faut qu'ils arrêtent. Je veux dire, nous, on a quand même Paris, la capitale de la mode mondiale. Il faut arrêter de nous faire passer pour des méchants, quoi. Ah, il tente d'esquisser les idées de la robe. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on me propose. Non, mais c'est tout bon. Non, voilà, c'est tout bon. Alors, ah, oh. Alors, séduction exotique, extravagance, sexy ou couleur radieuse. Bon, j'avais déjà fait une robe un peu rainbow la dernière fois. Et moi, ma préférée, c'est clairement celle-là. Hein. En tout cas. C'est incroyable. Du coup, ça fait genre un peu Phoenix, un peu Hunger Games, vous voyez. Et tout, non, là, ça fait un peu poulette avec des plumes au derrière. Excusez-moi. Et là, non, j'ai déjà fait une robe rainbow, c'est un peu trop facile et tout. Voilà, dites-moi si vous auriez choisi la même robe que moi. Voilà, très bien. Bon, bah, c'est du classique. Après, on va faire les premières esquisses. C'est là quand ça va venir. Il faudra cliquer là. On va essayer de faire la première et on verra. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on lui donne à elle ce petit sac en forme de franges, de balai à toilette, tout va bien. Allez, à tout de suite. Ah voilà, d'accord, ben facile, hein. Hop, hop, hop. C'est bon, tout est prêt, tout est nickel. Ma robe, toutes les idées sont couchées sur le papier. Et je vais pouvoir encaisser notre ami Paris Hilton. Et c'est parti, voilà. Facile, c'était un peu facile. Enfin, ce jeu est quand même un peu plus facile que Emily ou Arts Medicine par moment. Ou alors c'est juste moi qui suis bon. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attendez, on va voir ce que c'est quoi l'histoire. Soyez astucieux, donnez à chaque client tous les produits dont elle a besoin d'un seul coup. Bah, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc ça va être très facile. Voilà. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des aventures de Angela Napoli dans ce jeu. Et puis, peut-être en cours d'année, la saison 3 de Hearts Medicine. Et puis, très bientôt, j'espère, bah, à la fin de Angela's Fashion Fever, commencer donc le jeu Emily, là où notre petite Paige tombe malade. Voilà, écoutez, donc à très bientôt. Au revoir.